Lily Rose, ça va? T'es là? Oui, vas-y, ouais. ferme la porte, j'ai quelque chose à te montrer. Là, j'ai pas trop envie de rigoler là. Bon, salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous connaissez notre situation avec Talking Angela, donc on reçoit beaucoup de messages de Talking Angela qui nous dit rendez-vous à tel endroit, rendez-vous à tel autre endroit. Pourquoi tu me dis ça là? Parce que regarde, mon téléphone est actuellement bloqué. Et regarde Lily Rose. Tu reconnais non, ou pas? C'est Siren Head. Non mais là j'ai pas trop envie de rigoler. Mais pourquoi t'as et, de, fond d'écran et depuis tout à l'heure. Mais c'est pas mon fond d'écran, c'est mon téléphone qui est bloqué dessus. Depuis tout à l'heure, j'essaie de regarder des vidéos sur YouTube, d'envoyer des messages, tout ça, et mon téléphone est totalement bloqué sur cette image de Siren Head. T'as pas tapé ça sur Internet? Non, mais j'ai rien fait. Ça fait des mois que j'ai pas entendu parler de Siren Head, et d'un coup, c'est apparu comme ça. Et seulement, les amis, il s'est passé un truc ultra étrange par rapport à Talking Angela. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est Talking Angela, c'est une application sur le téléphone, et oui. Nous, notre téléphone, il est hanté, et l'application, elle nous demande de faire des trucs du genre rendez-vous à tel endroit, si vous le faites pas, vous aurez une surprise, des trucs comme ça. Et cette application, elle en veut vraiment à moi et à notre père. Lily Rose, elle s'en fout. Ouais. Et c'est que sur notre téléphone que ça fait ça. Si vous la téléchargez, vous aurez rien. Mais du coup, c'est trop étrange. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ouais. Parce que Lily Rose, aujourd'hui, elle est allée à l'école, bah, tout ça, oui, tranquille, au calme. Et le truc, c'est que toute la journée, j'ai reçu des messages de Talking Angela qui me disaient ce soir, grosse surprise, ce soir je pars. Oui, sauf qu'elle nous a dit ça deux fois, la première fois il s'est parce rien que passé. Je lui en ai parlé, là, tout à l'heure, oui. Et là toute la journée elle m'a envoyé des messages, elle m'a appelé. À chaque fois que je décrochais, ça me disait vous n'avez pas réussi, je vais partir. Donc moi je me suis dit, ah bah c'est la fin du jeu, elle va définitivement. Ouais. C'était quoi ça? T'as entendu le bruit là? Ouais. C'est les menottes qui ont bougé. Ouais. Les menottes, je sais pas si vous l'avez entendu, ça a fait un truc comme ça. Non mais, non c'est toi là, t'as accroché un fil de pêche dessus. Non. Non mais, attendez, y a rien. Je sais pas si on les, je pense qu'on les a pas bien entendus à la caméra parce que c'est super long. C'est quoi ça? Pourtant les menottes elles sont juste à côté du téléphone. Non mais c'est trop étrange, attends, je vais essayer de... Bah voilà, là j'ai déverrouillé le téléphone, regardez, je tombe direct sur ça. Je peux bouger dans l'image. Peut-être qu'en recherchant des trucs dans l'image, je vais pouvoir trouver des trucs, bizarre, des indices, mais pour l'instant rien du tout. Donc franchement, c'est trop étrange. Bon, ouais. Je vais appeler notre père. Oui. Parce que c'est le seul qui pourra nous aider. Bah... Et ouais, donc c'est pas fini parce que toute la journée, Talking Angela nous a envoyé des trucs comme ça. Enfin, m'a envoyé des trucs comme ça. Et vous savez que dans un dernier épisode, elle était carrément venue devant chez nous. On n'avait pas réussi à la voir. Non. Et on vient. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, me dérangez pas, je peux pas. Et oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, je peux pas vous le dire. De quoi tu peux pas nous le dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me sens, pas très bien. Oh, allume la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, arrête. Mais c'est toi qui as éteint la lumière que... Bah non, c'est pas moi. Attends, les menottes, elles se sont mises à bouger encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, attends, mais c'est pas possible. Attends, mais attends, désolé pour la désolé pour la luminosité, les amis là. Oh punaise. C'est quoi ça? Attends, chut. C'est peut-être un signe. Attends. De quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah mais pourquoi t'as une lumière sur le nez là comme ça? Non bah je sais pas, depuis tout à l'heure j'ai mal. Ah punaise, bon les amis je comprends rien à ce qui se passe. Dès que je m'approche de la lumière elle s'éteint. Oula, mais... Dès que je m'approche de la lumière elle s'éteint. C'est pas toi qui le fais. Non mais c'est sûr, tu vois bien mes mains, je suis en train de tenir la caméra là. Bon allez, donc là les amis on va essayer de trouver une solution. T'as mal aux dents? En fait, attendez. C'est depuis une demi-heure. T'as mal aux dents? Depuis une demi-heure, j'ai une théorie. Vas-y, va dormir. Je vais expliquer à Lily Rose ce qui se passe. Parce que, bon, allez, va là-bas. Oh punaise, ouais, non, mais je vais. Oh, de là, là. Ouais, il faut qu'il arrête là. Ouais. À mon avis, il a peur de Talking Angela. Il veut plus faire partie des vidéos. C'est pour ça. Il a trop peur. Qu'est-ce qui se passe? T'as mal aux dents? Ouais. Il a mal aux dents. Bon, ce que je voulais vous expliquer, les amis, c'est que j'ai eu une théorie du coup, parce que toute la journée j'ai réfléchi à ça, j'avais rien d'autre à faire, et je me suis dit, ça tombe, Talking Angela, elle va laisser la place à Siren Head. Pour ceux qui savent pas, Siren Head, c'est un monstre, c'est ça, c'est une sorte de monstre. Ouais, c'est une sirène en fer là. Une sirène en fer. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses particularités? Parce que moi je connais pas. Elle est hyper grande et elle fait des bruits comme ça. C'est vrai, elle fait ça. Ouais. Et elle poursuit les gens la nuit, c'est ça? Je sais pas.
Donc franchement, un truc comme ça. Et moi j'ai eu une théorie, c'est que je me suis dit à tous les coups, Talking Angela, elle va disparaître pour laisser la place à Siren Head. Et parce que Siren Head parce est que, plus impressionnant. Ouais, parce que Talking Angela, elle a pas réussi à nous faire peur. Nous on a toujours soit on s'en fiche, soit on fait ça pour rire pour vous le montrer parce que c'est l'objectif de la chaîne, c'est de vous faire rire, de vous intriguer tout ça. Donc on s'est dit on va leur montrer ce qui se passe avec Talking Angela et comme elle a pas réussi à nous impressionner, Siren Head. Elle a envoyé Siren Head. Qui est sûrement son ami. Et peut-être qu'il y a une application Siren Head. Ça tombe, c'est pour ça que le téléphone il est bloqué. Parce que ça, ce téléphone, on l'a trouvé. Et en fait, on l'a trouvé par terre dans un parc. Et on a découvert avec le temps que c'était Talking Angela qui nous avait envoyé ce téléphone. Oui. Et du coup, attends, je vais regarder si mon téléphone il est toujours bloqué. Mais regardez, mon téléphone est toujours bloqué sur Siren. Il y a une application Siren Head. Ouais, mais bon, je peux pas. Et peut-être que Talking Angela est envoyé en lien. Non, mais mon téléphone est bloqué sur cette image. Regardez, c'est soit je l'ai. Attends un peu et peut-être que. Arrêtez de parler de téléphone hanté là. Depuis que vous parlez de ça, j'ai mal à la bouche. Tu peux regarder. Non, mais on comprend rien à ce que tu dis. Les gens entendent rien là. Qu'est-ce qui se passe? Enlève ton masque. Non. Mais pourquoi t'as un masque à l'intérieur là? C'est quoi ça? Ah. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est tes dents là? Et pourquoi t'as une lumière sur tes lunettes? Dérange. Attends, souris là pour la caméra. Ah mais c'est horrible. Ah t'es trop mal. Mais c'est horrible. Mais c'est Siren, c'est ton dentiste Siren Head. Non mais je pense que Siren Head c'est son dentiste. C'est un dentiste hein. Qu'est-ce qui se passe? Siren Head a coupé tes dents ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Tiens, je fais de la magie. On va l'appeler. On va l'appeler. Bah oui. Ah comment ça se fait? On va l'appeler Peppa Pig qui est denté là. Regardez. Bon, vas-y, fais-le partir là. Non mais vas-y, va brosser tes dents là. Ouais, parce que là ils sont pas très. C'est trop bizarre ce qui lui arrive là, n'empêche. Mais c'est bizarre. Hein. Non mais moi c'est encore un de ces tours de magie. Non mais c'est pas un tour de magie là, t'as vu ses dents comment elles étaient. Ouais, c'est vrai. J'espère pour lui que c'est des fausses dents hein, parce que là ça devient critique. Bon, je reprends ce que j'étais en train de dire. Mon téléphone est toujours bloqué, donc c'est soit je l'éteins et dès que je l'allume, hop, ça part sur Siren Head. Siren Head. Donc vas-y. Prends... Oh non, Siren Head, ça veut dire tête de sirène. Bah oui, tu comprends que maintenant. Depuis le début, c'est ça. Hein. Donc c'est dommage que t'aies pas compris. Bon, là, les amis, ce qu'on va faire, c'est que vas-y, prends ton téléphone, ton autre téléphone. Oula, je sais pas du tout. T'as pas de téléphone. Il est en bas. T'as pas de téléphone. Bah si, mais il est en bas. Bah va chercher le téléphone. Peppa Pig, t'es où? Va chercher un téléphone. Et ce qu'on va faire les amis, c'est que là on n'a pas le choix, on va regarder. Vraiment, moi, on va regarder s'il y a une application Siren Head sur un téléphone. Oui. Et voilà, et on va voir si on peut la télécharger et si on nous donne des trucs à faire, non, des missions. Parce que là en fait, notre vie c'est vraiment devenu un grand jeu vidéo quoi. On nous demande des missions en fait, quoi. C'est bizarre parce que Talking Angela, il était déjà installé sur le téléphone alors que là on doit peut-être installer une application, donc c'est bizarre. Ouais, ça tombe, l'application est déjà installée, c'est pour ça que mon téléphone bug à fond. Ah! C'est bizarre! Quoi? J'ai plus mal depuis tout à l'heure. C'est vrai? On dirait que. C'est bon, mon téléphone. Je dirais que ma mâchoire elle est devenue normale. Montre! Ah ouais? Ça va? Tes dents elles sont revenues. Toujours aussi, moi. Non, je rigole, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est parce qu'on a trouvé. C'est pas pour toi. On a peut-être trouvé une solution du genre. C'est quoi? Non mais on s'en fiche. Vas-y, Lyros, télécharge l'application si t'en trouves une. Et voilà. Je vais regarder. Attends, c'est quoi ça? Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Ça fait bizarre aux oreilles. Désolé chez vous si vous entendez aussi. Attends, c'est le bruit que Siren Head fait ça. Oui. C'est ton téléphone ou quoi? Attends, c'est mon téléphone qui fait ça, je pense. Stop. Oula, attends, je le coupe. Ah, c'est bon. Enfin. C'était mon téléphone qui faisait ça. Bon, je vais voir s'il y a une application Siren Head. Attends, je vais l'utiliser. Peut-être que ça a changé quelque chose sur mon téléphone. Qu'est-ce que vous avez encore? Attends, ça a changé d'image. C'est un autre truc. Lyros, regarde. Oui. C'est un autre truc. Mais c'est toujours Siren Head aussi. C'est une autre photo. Ouais, et attends. Je crois que j'ai trouvé. C'est à côté de chez nous cet endroit. C'est à côté de notre rue. Bah oui, c'est dans le parc qui est à côté de notre rue. Lyros, regarde. Siren Head, il est au parc. Ah ouais?
Ça veut dire mais que. Mais non, faut pas sortir. En fait, non, cha... non, ah, attends, sortir, je sais comment ça fonctionne. Sur la tête de Siren Head, il y a des haut-parleurs. J'ai trouvé. Attends, chut. Sur la tête de notre de Siren Head, il y a des haut-parleurs et ça tombe. Siren Head entend tout ce qu'on dit, même quand il est super loin. Et là, à chaque fois qu'on trouve une solution, quand on parle du genre, il faut télécharger l'application, tout ça, Siren Head l'entend et nous donne une autre mission. Et là, tes dents. C'est Siren Head qui t'a donné ces dents-là, et comme Siren Head a entendu qu'on avait dit qu'il fallait télécharger l'application, donc on est sur la bonne voie, et bah il a enlevé tes dents et il nous a envoyé ce bruit pour nous dire que c'est bon. Bon, il y a une application, j'ai installé une application Siren Head, elle est en train de s'installer. C'est un quiz pour répondre à des questions, et genre, enfin, je pense que c'est un truc comme ça, et genre, si on a faux, bah il vient, ou un truc comme ça. Ouais, bon, là maintenant, on sait depuis cet épisode-là que Siren Head entend tout ce qu'on dit et que. On doit chercher nous-mêmes les solutions au truc et que quand c'est la bonne réponse, bah on entend ce bruit trop bizarre. Bon, là les amis, on se dit à la prochaine vidéo. Cliquez sur une vidéo qui apparaît, il y a beaucoup trop d'informations. Oui, c'est à la prochaine, vidéo. À la prochaine, bah bye.